Encore une belle balle. Oh, oh là là. Oh, oh l'anticipation de mouvement, un truc de fou. Le piece control, il est trop trop fort vraiment. Alors tu t'as bon quoi. Ouf, oh, oh le clip. Oh là là, ce clip de fou. Ok. Allez, les gars, incroyable. Mirza et Migon jouent leur dernière game en même temps. On va avoir droit à un fight Mirza Migon. Oh là là, incroyable. Regardez où s'est caché Migon. Oh le bâtard. Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable. J'ai invité 3 joueurs pros, à savoir Esti qui a récemment gagné la solo cash cup, Mirza qui a fini top 9 de cette cash cup aussi, et Migon que vous connaissez très certainement. Ces 3 excellents joueurs qui vont s'affronter pendant 1 heure pour gagner le plus de points d'arène possible. Et le gagnant repartira tout simplement avec 100 €. C'est un petit peu le deuxième épisode de la série que j'ai commencé avec Oani, Martial et Zedfar. Sauf que cette fois-ci c'est avec des joueurs pros, j'espère que ça va vous plaire. Honnêtement je pense qu'on n'est pas prêt vraiment. J'ai hâte de voir qui va gagner, j'en ai aucune idée pour l'instant. Si vous voulez un troisième épisode, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et pourquoi pas me proposer des joueurs pro, des youtubeurs, des streamers à inviter en commentaire. Bref, sur ce, on part directement en game. A tout de suite. Ok, du coup, on est parti directement. On commence sur la pauvre d'Esti. Alors, Esti, c'est un joueur qu'on me demandait tout le temps d'inviter parce que c'est vraiment un monstre. Il est trop trop fort mécaniquement. Apparemment, c'est même l'un des meilleurs fighters en Europe carrément. On va voir ça. Il a décidé de spawn du coup à Believer Beach. Il drop dans l'hôtel. Il a pu trouver un chasseur. Il est juste devant lui. Ok, il récupère le kill. Apparemment, il y a un mec sur le toit. Oui, il l'a bien vu. 41 crack. Bon là normalement c'est un kill qui va pouvoir récupérer, du moins je l'espère, et oui c'est chose faite, deuxième kill validé déjà. 71. Oh là là, la grosse balle, parfait. Oh, y'a un mec juste là. 25 crack. Et le kill est récup. Pour l'instant c'est vraiment vraiment super clean. Là il enchaîne potentiellement sur un 5ème kill, le crack encore une fois. Il met des belles balles de pompe, bon là c'était qu'un 40 mais bon. Voilà, 84 par exemple. Il a un chasseur blanc en plus, c'est vraiment pas ouf. Il casse et ouais bon. Je pense clairement qu'il va récupérer le kill. Let's go ça. Il a pu choper un petit space 12. Potentiellement un kill là-dedans. Ils sont deux en train de se battre. Est-ce qu'il y a backstab? Non malheureusement. Pour l'instant il y en a un qui est mort. Il met bien l'escape pour se protéger. Esquive. Il esquive une balle là. Il retake. 32 à peine, mais non. Oh là là, la grosse balle. Il y a encore un autre mec. Oh, ça enchaîne là. Faut juste faire gaffe de pas mourir. Ah, il se fait un petit peu laser, ça va. La grosse balle à 116. Alors là, le mec, il a fait une grosse erreur. En tout cas, il joue super bien. Vraiment, il se protège super bien, etc. Pour l'instant, je suis pas déçu. Hein. Malheureusement, le piece control qui est pas passé. Oh, il y a une bonne collection par contre. Et le 7ème kill qui est récup, let's go. Y'a un mec en dessous du pont, mais what the fuck. Par contre je sais pas comment il fait pour trouver autant de joueurs. Moi je fais de l'arène solo, je galère à faire 5 kills parce qu'il y a personne. Le box bien, il récupère le 8ème kill déjà, mais wesh. Il reprend le mur, le cône, il rate sa balle malheureusement, il a plus de shield, faut faire attention. Aïe aïe aïe, pas de grid Esti, pas de grid. Crac. Oh là là, mais il est tellement fort. Oh là là, le mec il va prendre cher, regarde en bas. Oh la petite balle, mais non, c'est tellement pas mérité. Y'a un mec qui backstab. Aïe aïe aïe, ouh il a l'air chaud. 54. Putain, j'ai fait moins 34. Oh, je suis contre des mecs qui savent jouer, frère. Là y'a que des bots moi. Ouais ça dépend si c'est de l'op lit. Ouais vraiment pas que des bots. Ah, en mid game je suis sur des fous bon. Crac, faut qu'il récupère le kill, parfait, faut faire attention au backstab. Ouh il s'est fait surprendre, ça va, il a pris une petite balle. Genre lui c'est un malade, il me flex moi. Ouf là on se voit la 116. Ah il est trop nul, il est trop nul. Par contre, il était tous les murs, c'est un truc de fou! Oh, oh la première grosse balle! Aïe! Aïe 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 aïe! Faut faire attention! 21 HP à peine! Ah non! Le seum! Bon, du coup, il aura fait 10 kills. Bon, du coup, on est parti sur la première game de Migon. Est-ce qu'il va aussi réussir à faire 10 kills, voire plus? Voilà, pour l'instant, on connaît un petit peu l'avance d'Esti. Mais à tout moment, derrière Migon et Mirza, il claque une grosse game. Oh, il a pas d'armes!
Il se fait chier, 75 HP, 28. Aïe aïe aïe, le premier retour lobby malheureusement. Bonsoir, faut rester concentré. Dans tous les cas, il peut vite rattraper ça, mais faut pas enchaîner. Il est reparti pour sa deuxième game. Est-ce qu'il va réussir à sortir du spawn? Là, je pense que oui quand même. Il est conteste en tout cas. Où est-ce qu'il va drop? En vrai, moi je le vois bien là, la maison niche. Ok, c'est ce qu'il fait. Ça, je le connais bien quand même, Igon. Une AR bleue avec du shield, en vrai, ça va, ça me met bien. Il récupère son premier kill, parfait. J'ai cru qu'il allait choke là. 64. Ouh, il a pris une grosse balle, 20 HP à peine. Pourquoi il a pris la vache? Je crois qu'il a mis sneak. Non. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a troll là. Pour l'instant, il est sur un retour lobby et une game à un kill. Faut vraiment faire gaffe là maintenant. Bon, on va le suivre pour sa troisième game. Apparemment, il a changé de spawn. Maintenant, il se dirige vers la ferme. J'espère que ça va mieux se passer pour lui quand même. Parce que là, il commence à accumuler le retard un petit peu. Hein. Il se fait chase, 82 HP. Oh, il se cache, mais non. 72. Non, gros, il y en a un. Mais... il avait 6 HP. Aïe 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 aïe. 3 games, à peine 1 kill. Aïe aïe aïe. Bon, on est parti pour la 4ème game. Là, Migon, c'est maintenant ou jamais. Si tu choques là, il y a très peu de chances que tu l'emportes, je pense. Parce que le problème, c'est qu'il accumule les pertes de points avec tes tickets de bus. Et donc, en plus du fait qu'il doit gagner des points, eh bien, il doit aussi rattraper son retard. Ok, il a NP. Allez, là, tu le chases. Un mec juste là, il a pas l'air d'avoir d'armes. Non, oh, non mais là Migon, mais réveille-toi Migon. Les gars, c'était mon favori. Bon, je rigole, en vrai c'est bien ça mon favori, mais t'inquiète. Et bien malheureusement pour Migon, c'est vraiment pas un bon début. Du coup c'est pas grave, on va suivre un petit peu Mirza. Qu'est-ce qu'il va faire comme première game? Est-ce qu'il va être plutôt du côté d'Esti avec une dizaine de kills, ou du côté de Migon avec 4 tours lobby? On va voir ça. Il a l'air de choisir la ferme également. Je sais pas pourquoi, c'est un spawn qui est apprécié par les pros. Lénaire, nickel. Premier kill validé. Il se fait chase. 44 crack. Oh, il rentre dans sa box. Enfin, attention là. Il a le mur et le... Oh. Quoi? Ok, c'est bon. Ah, j'étais stressé, j'ai bégayé. Il enchaîne bien une voiture juste... Allez, le mec, arrête-toi quand même. Mais c'est grave, les mecs comme ça qui font que cavaler, frère. Non. Après, c'est normal, il a Mirza, c'est trop chaud. Oh, ok, bah il a récupéré le kill. 18 remain, il va potentiellement prendre son 4ème fight. Oh, il le crack direct. Quand tu commences un fight avec un crack, t'es bien, tu vois. Il le replace, le mec peut absolument rien faire, 55 blancs. Et let's go, 4ème kill validé pour Mirza. Oh, il a mis des beaux dégâts là. 22 shield. Oh, le piece control. Let's go. En plus, je crois qu'il récupère un space, ouais. Le space qui va lui permettre de récupérer son 6ème kill, mais ça va tellement vite. Un mec juste là, il a retake. Mais non, il l'a mis dans son cone. Attends, comment il fait là? Quoi? Oh, il est tellement chaud. Eh, pour l'instant il enchaîne super bien Mirza là. Je pense que c'est un vrai concurrent ici pour la première game. 55 crack. Vous savez ce qui vient de se passer? Oh là là, il la chitonne. Aïe. 99. Non, j'ai de choc. Ah, il a choc là. Ah voilà, il a clairement choc. Y'a que des manettes. Non mais gros, non, je le tue. Après j'ai le top 5 et tout. Aïe aïe aïe, c'est dommage parce que pour l'instant il était en train de bien concurrencer Esti, mais c'est pas grave. Il est pas très très loin non plus. Ok, on est de retour sur Esti qui va jouer sa game numéro 2. Pour l'instant, je pense qu'il est premier. Il a pas mal d'avance. Après, on va voir sur cette game. À tout moment, il fait le retour lobby comme Migon. On en sait pas. On en sait pas, c'est rien dire. On en sait rien, ouais. Il part du coup en direction de Lazy Lake. Honnêtement, c'est un excellent spawn, mais il faut qu'il soit bien conteste quand même. Est-ce qu'il a, une AK? Aïe 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 aïe. Ça, c'est un des pires trucs que tu peux avoir, je pense. Hein. Oh, il a un sniper. Oh, le freaky, let's go. 21 shield. Il a qu'une PM. J'espère que le mec a pas un pompe en face. Oh, il a bien crack. Ouf, il avait un chasseur bleu. Il a le mur. Oh là, il est bloqué. Hein. Là, le mec peut absolument rien faire. Moins 100. Nope. Parfait ça. Ça va que ça manque, il décide de redescendre. Faut faire gaffe de pas s'enfermer. Par contre, ça peut être très 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 dangereux. Imaginons, il y a un mec qui met un baril ou quoi, il peut mettre le feu à tout ça. Ça va, il est bien remonté. Il prend une petite balle. 60 crack. Faut se mini tranquille, voilà. Faut pas grid. Oh, il a failli mettre un clip de bâtard. Let's go. Nope. Un mec au bouga, là, faire gaffe de pas se faire au ligne. Crack, il a 35 HP. Nope. Il rate sa balle, il s'est backstab. Nope. Il a plus que 2 balles de pompe d'ailleurs. Comment il va faire là? Là, c'est impossible qu'il s'en sorte.
25 crack. T'as plus de balles de pompe, j'espère qu'il l'a vu. Oui, parfait, récupère le kill. Est-ce qu'il va prendre le Bouga? Non, il a l'air de garder le chasseur. Oh, le max damage. Oh, celui-là, il fait plaisir. Il y a encore un mec, il est déjà 6 kills pour l'instant. Il le fait tomber. Il lui met une petite balle de pompe. Malheureusement, ça ne suffira pas pour prendre le kill pour l'instant. Encore une belle balle. Oh, oh là là. Oh, l'anticipation de mouvement. Un truc de fou, le piece control. Il est trop, trop fort, vraiment. Il va drop sur le mec. Il a toujours son chasseur bleu, par contre. 44. Oh, il a tenté un petit clip, là, le ST. Moins 130 au total, environ. Non, mais vraiment, t'as ST qui te pourchasse. Je te dis, tu quittes la game, hein. T'as aucun espoir de survie, hein. Bon, piste contrôle, faut regarder de passer en backstop parce qu'il y avait un autre mec. L'autre mec qui va en profiter pour venir directement et reprend la hauteur. Oh là là, mais regardez-moi ça, sérieux! Moins 100. Moins 30. Ça, c'est pas legit par contre. Oh, j'ai eu peur. Heureusement que le mec avait pas un space. Il entre en fight pour son potentiel 10ème kill. Fais attention vraiment de pas mourir, il est mort juste avant. Au 10ème kill, justement. Y'a un mec qui backstab. Tu vois, ton petit Kuiga, t'es en train de nous faire un record là. La pad. Oh, il a tellement bien joué. 300 IQ. Moins 30. Moins 30 encore, mais c'est grave. Oh non, faut pas qu'il meure là. La belle balle. Heal toi, tranquille, et si tranquille, tranquille. Oh là, j'ai eu peur. Oh, je joue pas avec mon cœur comme ça. Il rate sa balle malheureusement. Il a plus que 170 de maths. Oh, ok, il le cheat, let's go. Mais non, il a fait une chute. Et quand il danse, le bâtard. C'est pas qu'il y avait ici juste là. Ben ouais, faut. Voilà, faut pas danser. Et il récupère son 12ème kill. Ah, il danse aussi, je suis mort. Il a bien box, malheureusement il rate sa balle de pompe, faire attention parce que le mec en face a un space 12. Après oui, c'est vrai que ça pourrait être bien de le récupérer en le tuant. Mais faire gaffe de pas mourir, voilà. Oh, heureusement il l'a tué avant que le mec puisse tirer. Mec backstab. Il attend pour un timing. Malheureusement il ne l'aura pas ici. C'est un truc de malade à quel point il récupère tous les walls, hein. Oh là, il était tellement confiant, il avait plus de balles de Scar. Est-ce que vous le voyez là, le 15ème kill? Moi je le sens bien en vrai, hein. Après faut faire attention aussi, c'est de bien assurer le top 1 parce que ça peut récupérer énormément de points. Voilà. Les kills c'est bien, mais les points de top c'est bien aussi. Il a bien cone, il a que 90 HP, malheureusement pas de shield pour Esti. D'ailleurs il a l'air de garder la vache, donc apparemment c'est un item qui est assez important pour pouvoir enchaîner les kills. C'est bon à savoir. Il le voit pas, il est bien caché. Oh let's go, il est mort de la zone, parfait. En vrai là il a un petit peu de réussite. Mais une belle balle. Oh, j'ai pris une balle de snipe. Mais non, la tête au snipe en top 5. Aïe 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 aïe. Ah là, celle-là elle fait mal, hein. Vous espérez que Miguel et Mirza fassent pas de game derrière. Dommage. Du coup on est de retour sur la pauvre de Mirza qui a décidé de drop à Lazy Lake pour sa deuxième game. Malheureusement il a qu'une AR. Pas de mort Mirza, pas de mort. Ok, en tout cas ça c'est un kill, il y a un deuxième, mais il a un pompe, fais gaffe. Ah, Mirza Lake. Mirza. Non, 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 non. Mirza non. Il avait la case volée, ça. Il a bien crack. Ok, parfait. Les premiers questions. Oh là, le kill, let's go. C'est pas au lit. Tu dégages. Mais voilà, ça dégage. Let's go, Mirza. Alors que je suis pas bon, quoi. Oh, le clip. Oh, le clip. On en parle ou pas que les joueurs pro ils sortent toujours des spawns avec 6-7 kills. Je sais pas comment ils font. Dans un petit laser, il a réussi à craquer son ennemi qui était un petit skin Bambi tout mignon. Mais non, Mirza, tu vas quand même pas faire ça. Je suis un Bambi. Oh, il en a rien à foutre, kill récup. Il y a encore un mec juste à côté. Oh, ils sont dans la même box. Quoi? Oh là là, le backstab au bon moment, let's go. Oh là là, alors lui. Ok, comment se le fait avec moins 110 ou 115? Il a bien box, malheureusement, le mec. C'est joué en face, du moins il a repris Nexten, il rentre dans sa box. 30. Ouh, quand il a mis moins 30, j'ai eu peur. Un mec juste devant. Mais juste en casque, le frérot là, c'est pas possible, il l'a pas entendu. Non. Il le compte bien. Non.
Rate sa balle encore. 152 et moins 20, parfait. Moins 19, il enchaîne tellement bien les fights pour l'instant, let's go ça. Allez Mirza, on fait une concurrence avec Esti là. 70. Voilà, bois tranquillement ta mini, ta petite grosse, même sa backstab encore, fais attention. Pas se prendre l'aggro des deux là par contre. Oh, quoi? Premier kill, allez Mirza, allez, 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 allez. Ok, donc lui apparemment, comparé à Esti, il prend le Bouga, ok. Il a pris une grosse balle. Oh, il arrive derrière. En 150, allez. Non, malheureusement, le mec s'enfuit. Voilà, il toi tranquille. J'ai l'impression d'être son coach là. En 117, oh là 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 là, le Bouga qui carry. Je trouve ça tellement captivant de regarder des pros comme ça en arène, ça a l'impression que c'est tellement facile. Mais non, il est mort de shit, il a pas eu le kill. Oh, est-ce que on va avoir droit au premier top 1 de cette vidéo? Que pour l'instant, oui, on a eu des plus de 10 kills, mais toujours pas de top 1. Il y a 15 mecs. Oh damn! Ouh, la grosse balle, 6 HP à peine. Aïe aïe aïe. Et le mec a pas l'air de l'aggro, what the fuck? La chance! Ah si, ouais, bah c'est bon, il a 300 de ping, il l'aggro 10 minutes plus tard, frérot. T'as un mec dans un bush? Oh là, nice. Il a tellement cheaten. Là il a un stuff incroyable. Et il est en top 3. Je pense que le top 1 est presque assuré là. 43. Non mais il dort sur le PC là. 1v1 final pour le top 1. 17 kills, il le crack. Oui c'est bon, allez. Là on peut assurer, voilà. Gros GG à Mirza en tout cas. Il débloque enfin le compteur. Et je pense qu'il est bien parti pour attraper Esti, voire le dépasser. Honnêtement, ça va être super serré. Bref, on est de retour sur la pauvre d'Esti directement. J'ai envie de voir quel game il va faire après avoir sorti deux grosses games. Malheureusement, il a toujours qu'une air. Il a pu choper un pompe parfait. Malheureusement, pas de shield 82. Voilà, le shield il est là. Regardez, voilà, il est là. Le mode sensu qui carry. 112. Ok, bon, lui, il a pas fait d'effort. Hein. Par contre, Esti me fait rire. Il est tout le temps équipé de sa vache. Ouh, il a pris un beau laser. 43 blancs, pardon. Ok, il récupérait sa backstab encore, je crois. Oh, grâce à sa balle, 31 blanc. Heureusement que le mec est blanc. Il n'a plus de balle. Esti, Esti, Esti. Esti, non, 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 non. Oh, pas comme ça. Oh, j'ai eu peur pour lui là. Oh, il se folie. Le mec a un space 2, il a mis une belle. Oh là 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 là, la belle balle qui carry. Bon, là, il a un très bon stuff. Oh, mais le mec, mais qu'est-ce qu'il fait, sérieux? Moi, j'ai pas des cas comme ça dans mes games, hein. Quoi? Oh là, le beau petit clip en plus. En 110, presque. Ok, let's go. Je rêve d'avoir sa connexion. Bon, et son niveau aussi, tu vois, mais surtout sa connexion. 120. Ok. Il a tellement des bons réflexes, en vrai ça carry de fou. Le mec se barre en vache, 31 shield. Oh là là, ce clip de fou. Il récupère son 10ème kill. Parfait. Et le kill est récup, let's go. Ouh, il a pris un beau timing, le mec en face a l'air de savoir jouer. Il se fait spray la P90, il récupère quand même le kill. Parfait ça. Oh le bon backstab, oh là là, vous le sentez là? Premier kill récup, déjà le 13ème. Mais wesh, mais ça va tellement vite, je les vois pas passer. Il décide d'aggro un autre mec en pad. Oh là là. Ok. Il y a un mec là-dedans je crois, non? Ouais. Ouais c'est ça, il y a un mec là-dedans, il a bien su. C'est mon graline. Non, 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 non. Oh, le piste contrôle de fou, par contre, il anticipe tellement bien. Il est 19, Vegan, il est 19. Hein. Il est 19. Allez, Vegan, live. Ok, il quitte sa game tout simplement parce que l'heure se finit dans quelques minutes à peine. Et comme ça, en gros, il relance à la 59e minute pour pouvoir refaire une game complète. En vrai, c'est pas con, mais faut pas choquer la dernière game. Du coup, on est parti directement sur Mirza. Mirza, il a un tout petit peu de retard, mais honnêtement, il peut le faire. Voilà. Une dizaine de kills et je pense que le retard est rattrapé. Nope, 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 nope. 38 deux fois. 38 fois, oh là là.
Il a 54 HP. Ouais. Mirza ne meurt surtout pas là. Oh. Le retour bif ferait trop trop mal en termes de points. Il rate sa balle. Aïe 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 aïe. Bon, heureusement c'est qu'il avait une game de retard sur ST, donc là, il a encore une chance. Oh, il y a tellement de monde. Je suis pas là pour me battre. On a fait face bar, malheureusement il avait pas d'armes. Ah, le spawn me semble vraiment, vraiment, vraiment compliqué là. Ça marche pas, ça marche pas. J'ai pas d'armes, je suis dans putain de voiture. Aïe 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 aïe. J'ai pas d'armes, je meurs par des jurplays. Mirza, Mirza, Mirza. Là ça devient difficile, mais c'est encore faisable. Ok, je viens de regarder, il y a très peu de points de différence entre Mirza et Steve. Vraiment, ça se joue à peine à quelques dizaines. Donc là, tout est faisable en fait. Je pensais que c'était déjà gagné pour Steve, mais pas du tout. Lui, en attendant, il récupère son premier kill. Il est dans sa dernière game là. S'il meurt, c'est fini pour lui. Deuxième kill. Des mecs juste à côté. Il a que 142 maths par contre. Oh là là, le bon backstab. Oh là là, mais il a tellement de chance. Tous les mecs sont low. Oh, le pauvre. Il a un space. Oh, il a récupéré un space là-dessus du coup. Il enchaîne. Oh, mais ça va tellement vite ces fights. Il s'est fait riter. Non. Il rate sa balle, aïe 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 aïe. Pas de choke ici, pas maintenant. Parfait. 75 et il récupère son 7ème kill. C'est bon, plus de peur que de mal. Mais qu'est-ce qu'il fait à se barrer lui? Mais frérot, mais t'as du ping dans le cerveau hein. Oh non 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 non. Il y a 50. Oh, heureusement il a mis un clip de fou hein. Le mec qui part en BF tout seul, ça me termine. Non. Esti qui malheureusement rate sa balle de pompe. Nope. Il se fait toucher. Le mec est crack. Oh, il a eu tellement de chance. Oh là là, let's go. Pour l'instant, il fait une très très bonne dernière game. Hein. Mais est-ce qu'il va valider son premier top 1? Ça, c'est la question que je me pose. Ça a pas vu. Il a l'air de voir le mon graal, après c'est normal, le mec est très très loin HP en face. Attention quand même de pas grid. Il y a tellement de monde qui backstab par contre, c'est un truc de fou hein. Là le fight commence à devenir un petit peu long aussi, c'est risqué. En termes de maths, il a plus que 370. Malheureusement, il rate sa balle de pompe, il craque le mec, il joue le bloom fight et il l'emporte. 10ème kill. 11ème kill du coup. Ça va tellement vite. Le crack. Oh, oh là là, mais il met des clips à chaque kill. C'est quoi ce mec qui peut faire un highlight de toutes ses games? Il enchaîne bien, il y a un mec juste à l'air dans sa box. Il a pas peur. Mais non, là t'as trop grid, Esti. A chaque fois tu jouais bien, tu reprenais les murs et tout. Là je sais pas pourquoi t'es rentré dans la box. Ah là là, top 12. À tout moment, Mirza peut l'emporter, les gars. Vraiment. Là, Esti, il aurait dû absolument valider le top 1. Ça va être super serré jusqu'au bout. En attendant, on est parti directement sur la pop de Migun pour voir ce qu'il va faire. Bois sa grosse Migun, allez là au bout d'un moment. Rends tes abonnés fiers, fais une bonne game. Voilà, parfait comme ça, ça commence de là. Premier kill. Salut à tous, c'est la salle. Oh, oh non mais. Oh la dinguerie qu'il a pris. Aïe 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 aïe, Migun. En vrai, le pauvre il se prend quand même des dingueries. Il doit tellement être tilté. On est reparti sur Migun. Allez, quand même, pour l'honneur. Bon, je pense pas qu'il puisse jouer la win dans tous les cas. Et pour l'honneur, fais-nous une bonne game, fais-nous kiffer un petit peu. Oh, le backstab au bon moment là. Il est blanc. Oh, j'ai cru qu'il allait piocher. Le crack et il récupère son 7ème kill. Voilà, la bonne game elle est là. Qu'est-ce qu'il fait à rentrer dans sa box comme ça? Le mec tombe dans sa box. Heureusement, il a eu un très bon aim là-dessus. Ensemble, il le boxe bien. 50 blancs. 50 blancs, mais la tête d'homme, il fait pas de mec. Oh là là, parfait ça. 132, je crois. Mais des belles balles par contre, les patates qui tapent là, Migun. Ok, let's go. Ok, let's go ça. Pourquoi il se réveille comme ça au dernier moment? Il a fait des games de merde au début alors que là, regardez, il a le niveau pour aller concurrencer Mirza et Esti. C'est dommage, Migun. Oh la grosse patate encore. Mais non, mais c'est grave le mec qui double pad. Voilà.
Le petit Lopad pour prendre la hauteur, 75. Oh là 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 là, le clip. Après, il a un space gold aussi. C'est vrai que ça aide un petit peu. Il est 19, Megan. Megan, il est 19. Hein. Non, pour moi, il est 17. Hein. Il est 19. Quoi 19, 19. Allez, Megan, live. Il décide, comme Esti, de live la game pour tenter une dernière partie à la dernière minute. En attendant, on est parti directement sur Mirza pour suivre sa game suivante. J'ai zéro d'habitude. Il chope une PM. En vrai, ça va au spawn, ça fait plaisir une PM. C'est mieux qu'une AK. Y'a un mec juste en dessous. On les fait une muscope. Parfait. Oh là là, le laser de fou. Y'a encore un mec. Il a pas de pompe par contre, c'est chaud. J'hésitais à aller le pioche le gars. Oh là là, mais les dingueries qu'il met. Y'a un mec juste à côté de lui. Oh, oh la tête au snipe. Incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Il rate sa balle, non, 75 HP, Mirza, fais pas ça. Pas de choke, pas maintenant. Il lui reste 7 games 6 plus une autre, donc là il peut clairement jouer la win. Oh, let's go. Oh, il l'a vu, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais il est trop fort, sniper, wesh. Il est en top 6 avec 8 kills. Honnêtement, s'il récupère le top 1, je pense qu'il peut vraiment, vraiment, vraiment mettre Esti en danger. Parce que les points top, en vrai, ils font quand même super plaisir. Il a mis un kill. Il va se passer mal, en vrai, j'ai pas envie de live, en vrai, je suis top 5. Oh, le stuff de fou qu'il a. Par contre, faut qu'il se dépêche parce que là, le temps commence à défiler petit à petit. Ah, y'a personne à faire que je live. Oh là là. What? Et il est mort de chute, bien sûr c'est volontaire, pour relancer sa toute dernière game. Migon et Mirza du coup doivent relancer en même temps, ils ont quitté au même moment. Encule la Migon. Ouais, je sais qu'on est dans la même game, c'est que nous sommes dans la même. J'ai proc, t'as proc? Non. What? Comment ça t'as proc? Non, je rigole. Ah si, c'est moi j'ai proc. J'ai proc. Oh non. À la vie, je vais venir te chercher toi. Bon, Migon il joue pas vraiment la win, mais Mirza par contre on va vraiment s'intéresser à sa game. Il est obligé de faire une bonne game, en sachant qu'il est pratiquement égalité avec Esti. Et Esti lui a fini ses games. Eh, hey, y'a combien de remain Mirza? 92. Oh bordel. Le Messico en sous. Comment c'est Dirty Slurfy? Oh, oh je suis dead. What là, vraiment j'ai ma daronne, non? Vas-y Esti, je suis Mirza. Non, mais regarde. Si c'était Esti qui était dans ma game, j'aurais griffé si. Voilà, là c'est toi, voilà. Et je sais où tu as spawn. Non, tu veux pas savoir, vraiment c'est impossible. Allez, viens les. En vrai, c'est quoi? Vas-y, je m'en vais les couler. Ok les gars, incroyable. Mirza et Migon jouent leur dernière game en même temps. Et regardez, ils sont tombés dans la même game. Migon lui il est dernier, donc dans tous les cas il s'en fout, mais il veut griffe Mirza pour l'empêcher de gagner. Oh, on va avoir droit à un fight Mirza Migon. Oh là là, incroyable. Migon au début je me dis vas-y, je spawn les yeux, après je me dis non, impossible, tu vas deviner mon spawn. Ils sont vraiment vraiment pas loin. Aïe aïe aïe. Migon là. Oh, il y a eu un space. Oh Migon, j'ai eu un gros space 12 là. Oh Migon, il allez, a pas d'arme. Allez Migon, allez viens là. Je me casse. Avantage à Mirza quand même. Oh purée, je suis trop fort. Il me dit bien le easy. T'es pas serein quand je t'ai dit ça, t'es dit non. Mais non, pas du tout. Les... Et je me suis dit au pire je vais vers G, c'est safe. Et après je le tue. Quoi? Allez viens là Migon. Je t'ai fait mal. Ah oh, mais bon, j'ai rien. Je voulais pas. Moi tout simplement, tu vas jouer ta mère. Hein. Bah qu'est-ce que tu crois? Mais non, regardez où s'est caché Migon. Oh, oh le bâtard. Est-ce qu'il va sortir ou pas? Ok. Il si, est sorti un petit peu late. Il le shoot. Viens là. Ok, 1v1, let's go, c'est parti. Migon qui a un chasseur bleu, Mirza qui a un space. Allez, Mirza à la hauteur là, allez. Là en vrai les gars, je suis pour Mirza quand même, le pauvre. Imaginez, il meurt par Migon, trahi par son pote. Mirza qui récupère un kill, ça le met bien. Fais attention au backstab de Migon. Migon qui arrive. Non. Mais Migon. Mais non. Mais non, Migon a tué Mirza. Aïe aïe aïe. Ah, ça va se jouer à quelques points près les gars, c'est tellement serré. Il y a moyen que Migon vienne d'empêcher Mirza de gagner. Parce que Esti lui était mort depuis bien longtemps. Aïe aïe aïe. Bref, Migon est parti directement en fight pour son potentiel deuxième kill. En tous les cas, lui, je vous le dis, il ne joue pas la win. À moins qu'il fasse un top 1 40 kills, mais ça m'étonnerait. Sphérie Tech 32 HP. Aïe. Aïe 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 aïe, 116. Et malheureusement, Migon qui meurt là-dessus juste après avoir tué Mirza. Aïe 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 aïe, Mirza il doit tellement avoir le sub, les gars, je le connais, le pauvre. Envoyez-lui de la force en commentaire quand même. Bref, du coup, c'est terminé. On se retrouve directement pour les résultats. A tout de suite. Bon, du coup, l'heure est terminée. Honnêtement, c'était super intense jusqu'au bout. Au niveau des comptes, Migon a commencé à 11 125 points. Il a terminé à 11 370, ce qui fait plus 245. Mirza, lui, il a commencé à 17 490. Il a terminé à 18 105, ce qui fait un petit plus
plus 615. Et Esti, lui, il a commencé à 15 370 et il a terminé à 13 360, ce qui fait plus 990. C'est énorme, vraiment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si tu cumules le score de Migon et de Mirza, t'arrives même pas à Esti. Bref, il a vraiment tout détruit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller le retrouver sur Discord. A tout de suite. Bon, bah, du coup, GG pour ta victoire. Hein. Merci. Honnêtement, tu vois, je m'y attendais un peu parce que vu comment à chaque fois les gens ils me disaient, ouais, Esti, il est trop fort. Esti, c'est un monstre, c'est un des meilleurs fighters et tout. Je me suis dit, je vais l'inviter. Et bah, déjà, merci d'avoir accepté du coup. Et GG. Bah, si, merci, moi aussi. Tu t'attendais à gagner ou pas? Enfin, tu te pensais favori ou pas? Bah, en vrai, l'arène, en vrai, c'est facile. Donc, en vrai, je sais pas. En fait, je sais pas. Ok, bah GG, en tout cas, tu fais beaucoup d'arène toi d'ailleurs? Non, pas beaucoup. Tu trouves que ça entraîne pas? Bah, avant, je faisais beaucoup. Maintenant, j'en ai marre. Je fais plus du créatif. Genre, vraiment, je fais beaucoup de créatif. Ok, intéressant. Bon, bah, du coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à laisser un petit pouce bleu parce qu'il y a eu énormément de travail au niveau du montage, etc. Donc, d'ailleurs, un gros GG au monteur. N'hésitez pas également à aller suivre Esti sur sa chaîne YouTube. Il sort des vidéos maintenant sur ses tournois, ses highlights et autres. C'est un joueur sous-côté, comme vous avez pu le voir. Il est vraiment trop fort, donc envoyez de la force. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.